On aimerait démarrer notre parcelle dans les meilleures conditions. Et on a entendu dire qu'il existait différents types de matériel de plantation. Dites-nous, quels sont les avantages et les inconvénients de ces types de matériel? Il y a plusieurs types de matériel. D'accord. Là, je vous ai justement préparé les trois principaux types de matériel utilisés communément. Il y a donc le vitroplan. Je vais le prendre. Hein. Il y a le vivroplan. Et il y a le roger. J'ai pris les deux là. Et donc, je vais vous parler donc le vitroplan que vous avez là. Alors, c'est un matériel très un peu particulier parce qu'il est produit dans des laboratoires très spécialisés de culture in vitro. Ces laboratoires peuvent être en Europe, en Amérique, même il en existe aussi en Afrique. On peut citer le nom de Vitropic qui est en France. D'accord. Et donc, ce matériel est tout petit et donc on doit l'envoyer à un pépiniériste qui lui a appris à faire le sevrage qui est très délicat et puis après l'élevage et c'est en général vendu prêt à planter à des producteurs, à des planteurs. D'accord. Alors par contre, sur le vivoplan, les pépiniéristes qui sont spécialisés dans la production de vivoplan. D'accord. Et il y a deux techniques. Une qui s'appelle plan issu de fragments et qu'on appelle communément PIF. PIF. Et il y a une autre technique, un peu différente, qui est à partir de bulbes et qu'on appelle multiplication sur souche décortiquée. Et on appelle ça MSD. D'accord. Et qui donne des petits plants qui ressemblent un peu au vitroplan. Et qu'il faut aussi élever chez une pépiniériste avant de le vendre ou de le donner à des producteurs. Ok. Et après, évidemment, le classique, c'est des rogers qui peuvent être de différentes tailles, hein, mais qu'il faut qu'ils soient vraiment corrects au niveau du bulbe, qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. D'accord. Bon, quel que soit le type de matériel de plantation, le plus important, très important, c'est la qualité sanitaire et la qualité agronomique du matériel. D'accord. La qualité sanitaire concerne les maladies des bananiers. En effet, planter du matériel de plantation contaminé par des maladies ou même des ravageurs, charançons, nématodes et autres, ça peut limiter fortement la pérennité de la parcelle de bananes plantain que vous avez mis en place. Elle peut durer, si c'est du matériel contaminé, elle peut durer un an, voire peut-être deux ans, c'est-à-dire deuxième régime, et s'arrêter parce qu'elle est contaminée. Alors que si c'était du matériel sain, ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. D'accord. Okay. La qualité agronomique, elle concerne la vigueur du plant. Un jeune plant sain et vigoureux donnerait plus facilement un bananier vigoureux lui-même, et donc qui porterait plus facilement un gros régime. Okay. D'accord. Et je vous rappelle que quel que soit le type de matériel de plantation, il faut planter sur un sol sain. Oui. Jachère, rotation de culture. Oui. Et donc là, je vous propose d'aller voir Madame Adjoie, qui va vous expliquer les avantages et inconvénients des rogers et des vivoplans. D'accord. Madame Agua, nous avons là deux types de matériel végétal pour le plantain, le roger et les vivoplans. Alors,
Quels sont les avantages d'utiliser les rejets? Bon, les avantages du rejet pour le planting, c'est que les rejets luttent contre la sécheresse, oui. Parce qu'ils ont déjà une réserve d'eau en eux. Et ils sont aussi moins chers. Oui. Et ils sont disponibles aussi. Faciles à récupérer dans vous-même votre plantation. Ah, ok, voilà. Super. Et concernant les inconvénients, c'est... Bon, les inconvénients, il faut dire que c'est difficile d'avoir en grande quantité. D'accord. Voilà, et puis il y a fort moyen aussi d'avoir des maladies dessus. Oui. Voilà, et puis ce ne serait pas uniforme. Parce qu'il y a des rejets qui sont grands, d'autres sont petits. Ah, voilà. D'accord. Et il aura aussi un problème de variété. Parce que vous convenez avec moi que si vous devez planter 10 hectares ou 5 hectares, vous n'allez pas tout avoir sur votre parcelle. Mm-hmm. Vous serez obligé d'aller en prendre sur une autre parcelle. Chez vous, vous avez pris une variété que vous n'allez pas trouver même sur l'autre parcelle. D'accord. Voilà. Ça, ce sont les inconvénients. D'accord. Et concernant les vivoplants? Bon. Là, on en voit quelques-uns. Quels sont les avantages pour ceux-ci? Bon, les avantages du vivoplant, c'est qu'ils sont déjà sains. Oui. Il y a eu un travail qui a été fait jusqu'à obtenir ce plant. D'accord. Prêt à aller en plantation. D'accord. Voilà. Et le vivoplant, on peut l'avoir en grande quantité. Oui. Voilà, parce que vous avez la possibilité de commander chez un pépiniériste. Ok. Voilà. Et puis, c'est homogène. D'accord. Voilà. La variété aussi est sûre lorsque votre pépiniériste est véridique. D'accord. Et voilà. Au niveau du transport, ça se passe comment? Au niveau du transport, le transport aussi est facile. Ah, et super. Il faut dire encore, le transport est plus facile encore avec pour les plantules. Ah. Parce que les vivoplants, on peut les transporter en plantules. Okay. Là, ça devient encore très facile. Facile. Et le coût du transport devient moins. Ah, voilà. Okay. Et on peut aussi faire les vivoplants soi-même. Non, ça, c'est l'idéal, ça. Voilà. Et concernant maintenant les inconvénients, okay. est-ce qu'il y en a autant? Oui, il y en a des inconvénients. En toute chose, il y a des inconvénients. Alors lesquels? Et les inconvénients, c'est que le vivoplant, il est sain. Oui. Il a tout ce qu'on vient de dire, tous ses atouts. D'accord. Mais il a peur de la sécheresse. Ah. Donc, on vous conseillerait, si vous devez cultiver le vivoplant, d'avoir une réserve d'eau à côté, oui. En cas de sécheresse pour l'irrigation. Oui. Et puis le vivoplant aussi, son inconvénient, c'est qu'il coûte cher. Ah. Il coûte cher parce qu'il y a eu un processus qui a été fait, toutes ces dépenses jusqu'à l'obtenir. Ah, oui. Voilà. Merci. Merci, madame. Bon, vous avez vu donc les avantages et les inconvénients du vivoplant, oui. Et aussi des rejets. Effectivement. Et moi, je vais vous parler un peu plus du vitroplan. Oui, cette parcelle a été plantée avec plein de vitroplans, comme celui-là. D'accord. Alors, le vitroplan, ses avantages, c'est le même. Le vitroplan a le même avantage que le vivoplan. Ok. Et en plus, c'est une garantie sanitaire plus importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus, pas d'autres maladies certifiées. Super. Il y a un peu d'inconvénients. C'est que le vitroplan, il y a peu de laboratoires qui produisent ces vitroplans, okay. Même si ça évolue et qu'on espère en avoir un peu plus. Et après, l'autre inconvénient, c'est que c'est un peu plus cher. Ah, ok. Et par contre, vivoplan ou vitroplan, oui. Ont besoin d'eau tous les deux. À la plantation, okay. Soit par les pluies, soit par l'irrigation. Okay. Après, l'autre souci, mais c'est pour tout le matériel végétal, c'est il faut bien gérer la logistique. Okay. Parce que vous devez aller soit chez des producteurs chercher des rejets, mm-hmm. Soit chez des pépiniéristes, oui. Chercher des vivoplants ou des vitroplants. Ça prend un peu de place. Et si vous avez des quantités importantes, il faut bien prévoir cette logistique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour l'extraction de rejets de qualité, oui. Il faut que vous alliez voir des producteurs ou des productrices, mm-hmm. Qui connaissent bien la D'accord. technique. Ok, merci. Merci. Au revoir.
Madame Major, oui. Comment faites-vous pour lever les rejets destinés à une plantation? Pour prélever des rejets destinés à une plantation de bananes plantées, oui. Il vous faut des rejets qui mesurent entre 20 cm et 1 mètre de hauteur. D'accord. Et ces rejets aussi doivent avoir un bulbe très important. Ok. Un gros bulbe. Voilà. Et parce que ce bulbe sert de réserve à la plante. Ok. Et elle va permettre à la plante de bien développer ses racines. Ok, super. Il vous faut aussi avoir, il faut aussi que ces rejets aient des feuilles très étroites. Mm-hmm. Vous voyez, ou ne même pas en avoir. Ok. Voilà. Vous voyez, ce rejet là-bas, il a des feuilles qui sont déjà larges. D'accord. Ils ne sont pas bons pour la plantation. Je vais profiter aussi pour vous montrer comment prélever un rejet du pied mai. Mais il y a un conseil que je vais vous donner. Oui. Ne prélevez jamais deux rejets au même moment du pied mai. Ah bon? Cela est un grand risque de chute pour le pied mai. D'accord. Et pour prélever mon rejet aussi, je le fais avec ce matériel, oui, que nous appelons le ciseau. Ah, le plantoir. Le coupe-digueur. Ah, il y a beaucoup de noms. Oui. À fonctionner la région où on se trouve. Ensuite, faire le tour du rejet, un peu l'éloigner un peu du rejet à arracher. Et faire le levier en ne s'appuyant pas sur le pied mère pour ne pas abîmer la bulbe. Donnez ceci, j'arrête. Bon. Voici mon rejet arraché, oh, du plan mai. D'accord. Qui est prêt pour le parage. Ok. Donc demain je vais vous montrer comment faire le parage de ce rejet. D'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup. Okay. Madame Adjoa, oui. Que faut-il faire pour planter directement ce rejeton? Ok. Ce rejet, pour l'envoyer dans la nouvelle parcelle, je vais passer au parage à blanc. Okay. Voilà. Donc vous enlevez tout ce qui est autour? Oui, j'enlève tout ce qui est autour pour l'éliminer de tout ce qui est maladie qui est dessus. Ah, c'est le parage à blanc. Je suis en train de préparer mon rejet pour l'envoyer sur la nouvelle parcelle. Okay. Voilà. Une fois le rejet paré à blanc, je le mets directement dans un sac, mm-hmm, afin de faciliter le transport sur la nouvelle plantation. J'évite de le stocker longtemps pour éviter que ces rejets attirent les charançons. Okay. Donc, il est conseillé, une fois le rejet paré à blanc, sur la nouvelle parcelle, de passer au planting directement. Mmh, okay, voilà. Ah, c'est super. Bonjour Sylvia. Bonjour. Hier, on a vu le parage des rejets. Oui. Alors, est-ce que selon vous, cette technique est suffisante pour avoir un matériel végétal sain et de qualité? Oui, tout à fait. D'accord. Certaines personnes pratiquent une autre méthode qu'on appelle le pralinage. Oui. Elle consiste à tremper les rejets parés dans un mélange d'insecticides et souvent de nématicides. D'accord. Ces deux produits sont très dangereux pour la santé et pour l'environnement. D'accord. Donc nous déconseillons fortement de les utiliser. Nous pensons qu'un parage rigoureusement bien fait, où on a bien supprimé toutes les racines, permet de garantir un rejet sain. Ok, merci. D'accord. C'est bon pour le rejet. Maintenant, si j'ai choisi d'acheter mes vivoplants ou bien mes vitroplants chez un pépiniériste, oui, comment je fais pour maintenir, pour m'assurer de la qualité agronomique et sanitaire de ces rejets-là?
Là, je vais vous envoyer voir mon collègue Thierry, qui va vous montrer les différents points à contrôler dans une pépinière, oui, pour s'assurer que les vitroplans et les vivoplans ont une qualité sanitaire parfaite et sont de bonne qualité agronomique. D'accord, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour Donatson. Dans cette pépinière, des vivoplans ou des vitroplans, comment on fait pour se rassurer de leur bonne qualité? Très bonne question, c'est important. Hein. Chez les pépiniéristes, c'est là que démarre toute la production. Oui. Et donc ici, il faut que vous vérifiez que le pépiniériste respecte une certaine rigueur dans différents points. Par exemple, on va en prendre plusieurs. Il y en a un, c'est que les pots, ou ça peut être des sachets plastiques, hein, oui, soient en dehors de sol. Là, il est sur des bandes plastiques, les plants ne touchent pas le sol. D'accord. Parce que le sol est un risque de contamination. Ensuite, il s'agit de voir quel substrat il utilise. Par exemple, ce pépiniériste utilise de la fibre de coco. Un produit qui se trouve facilement dans cette région et qui coûte pas cher. D'autres peuvent utiliser d'autres substrats comme du compost par exemple, mais surtout pas de la terre qui vient de plantation ou qui vient de terre, parce que là il y a un risque important de contamination, entre autres par les nématodes, mais okay, ça peut être aussi des champignons, voire des charançons. C'est très important. Ensuite, c'est le stockage de ce substrat. Ce substrat a été amené ici parce qu'on va remplir des pots, oui, mais il est stocké dans un local fermé, hors sol, et qui ne reçoit pas les eaux d'irrigation, les eaux de pluie et autres, tout ça, pour pas avoir de risque de contamination. Okay. Un point important. Après, le troisième point important, c'est la qualité agronomique du plant. Je prends ce plant-là. Vous voyez, tu vois qu'il y a 3, 4, 5 feuilles qui sont très vertes, un petit tronc qui est bien vert et bien costaud, oui, et surtout, regarde un peu, j'enlève le pot et qu'est-ce que je vois? Un système racinaire bien développé, bien autour de la motte. Là, la motte ne se défait pas, donc ce qui facilitera pour le producteur la plantation. Oui. Et dernier point important, c'est la traçabilité. Tu vois ici, ce pépiniériste a des étiquettes dans chaque planche. Ici, c'est la variété de plantain qui s'appelle French Clair, et toute la bande, c'est variété French Clair. Et de cette partie-là, cette autre étiquette montre la variété Big et Banga. D'accord. Toute cette partie-là est Big et Banga, ce qui fait qu'il n'y a pas de confusion, et quand le producteur veut telle variété, il sait où se trouve le pépiniériste, lui donne la variété qu'il souhaite. D'accord. C'est très important. Merci beaucoup, voilà, M. Thierry, pour tous ces détails. Ok. Excellente journée à vous. Marie. Oui. Thierry vient de me dire comment choisir un bon plant chez un pépiniériste. Je t'en expliquerai. Ah ouais, merci, parce que c'est hyper important de bien choisir notre matériel végétal pour que nos parcelles durent longtemps et produisent beaucoup.